snob, je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, moi celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma, voir des films suédois et j'entre au bistrot. Claudine, merci d'être là. Une amie à Gary. Claudine qui était venue me remettre ici le dernier, un exemplaire de son dernier. D'ailleurs, voyez, Claudine. Une anthologie en trois quêtes de Claudine Bertrand. Rouge assoiffé, c'est le tout dernier de Claudine. Claudine Bertrand qui écrit. Pour elle, écrire, c'est se relier aux autres. C'est elle qui le dit. Elle était ici à tout début de Vive mon poésie. Oui, comme co-animatrice. Merci Claudine. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Elle a tellement à faire que ouais, j'ai la chance de la voir aujourd'hui. Oui, comme je suis une orpheline, pour moi, la poésie me permet d'être vivante, d'appartenir à la communauté des écrivains. J'ai toujours été passionné par le sacré, parce que la spiritualité est un outil de connaissance. Ce n'est pas une fin en soi, mais une fin à soi. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Claudine Bertrand. C'est pas grave, vivement poésie, vivement notre grand poète, le poète Gary. Il y a beaucoup de poètes dans la salle d'ailleurs. Mais Gary, c'est ça, quand il me dit tout de suite, c'est un hommage au fond, c'est un oui spontané, sans hésitation, de la Corse à Montréal. Vraiment, ça vaut le coup. Et il nous a accompagnés souvent dans toutes les causes. Il a été là, un des premiers, et on s'est vu au Bénin. Derrière Amine Laroux, je sais bien, en 2009, il est venu. Il y avait un python autour du cou. Je parle vraiment d'un serpent vivant. Et on était un peu sous le joug et envoûté par ce serpent, effectivement. On est revenu vivant de toute cette belle expérience. Voilà, donc la poésie, ensuite c'est Haïti, et Gary, c'est un grand, grand, grand. Il a toujours 20 ans, quelqu'un le dit avant moi, et effectivement, c'est un grand amoureux de la vie, amoureux de la poésie. Et je me demandais, j'avais des poèmes pour Gary, mais j'en ai finalement qui vont parfaitement bien. Et je vais commencer par Gaston Miron, dont c'est l'anniversaire de naissance aujourd'hui, après le 8 janvier, mais qui nous a quittés en 1996, mais la poésie est toujours vivante, donc il ne nous a pas quittés réellement, puisqu'on est ici ce soir, et que la poésie se porte bien. Il parlait de la place publique, et j'ai l'impression que Gary, c'est aussi à la fois ce rôle qu'il incarne d'être sur la place publique. Il disait bien, « Mes camarades au long cours de ma jeunesse, si je fus le haut lieu de mon poème, maintenant, je suis ici sur la place publique avec les miens et mon poème a pris le mort obscur de nos combats. Longtemps, je fus ce poète au visage conforme qui frissonnait dans les parallèles de ses pensées, qui s'étiolait en rage dans la soie des désespoirs et son cœur raillait la crue des injustices. Quand je vois nos êtres en détresse dans le siècle, je vois notre infériorité et j'ai mal en chacun de nous. Aujourd'hui, sur la place publique qui murmure, j'entends la bête tourner dans nos pas. J'entends surgir dans le grand inconscient résineux les tourbillons des abattis de nos colères.
Toi, mon amour, tu te tiens dans ces jours. Nous nous aimons d'une force égale à ce qui nous sépare. Tu sais que je peux revenir et rester près de toi. Ce n'est pas le sang, ni l'anarchie ou la guerre, et pourtant je lutte, je te le jure, je lutte, parce que je suis en danger de moi-même à toi. Et tous deux le sommes de nous-mêmes aux autres. Les poètes de ce temps montent la garde, car le péril est dans nos poutres, la confusion, une brunante dans nos profondeurs et nos surfaces. Nos consciences sont éparpillées dans les débris de nos miroirs. Nos gestes, des simulacres de liberté. Je ne chante plus, je pousse la pierre de mon corps. Je suis sur la place publique avec les miens. La poésie n'a pas à rougir de moi. J'ai su qu'une espérance soulevait ce monde jusqu'ici. Gaston Miron. Miron. C'est le lien que je voulais faire. Mais un petit poème que j'ai fait le 12 janvier, on ne peut pas oublier, 2010. Alors, et le 26 janvier, là, vous vous souvenez, tout le monde était là pour Haïti, appuyer Haïti, une centaine de poètes. Alors, j'ai fait un petit poème enfin, que je livre au peuple haïtien et qu'on porte dans notre cœur. La lumière disparaît dans Port-au-Prince. Où es-tu? Entre ville et rivière, entre ville et personne, où es-tu? Rumeurs, crises et appels, nuit de faim, nuit nue, se répandent sur la peau. Toute rue fissurée, maison, école, hôpitaux, cathédrale, palais présidentiel, crevasse profonde qui donne sur d'autres crevasses. Le jour tombe, pluie de résidus. Georges et Neptune Anglade et tant d'autres, épris de liberté, tous étouffés sous les décombres, coulés d'âmes et de boue. Vague par vague, la terre se défait. Comment survivre à travers ce chaos? Peut-on tisser de nouvelles vies à même la douleur du monde pour le peuple haïtien? Un dernier poème que je vais offrir à Gary. Langue de voyage, tu laisses parler les mots muets, tu meurs de soif, de la soif des mots. Les périls s'accumulent un à un, tu écris à l'aube une lettre qui jamais ne partira. Beaucoup de choses restent-tu, comme la littérature ou le caillou sur lequel tu te penches. Tu éprouves la blessure dans la pénombre, se referment les ténèbres sur les ténèbres. Si tu repiquais les mots dans leur terreau, ils prendraient un autre aspect. Dernier spasme de l'écriture, faire la guerre à la mort, la mettre en sursis. Tu es en prière devant elle, comme devant la toile d'un grand maître. Elle se transforme en métamorphose. Quelque chose enfoui depuis longtemps se rue sur toi. Tu es né dans le pays de la mort, elle te colle à la peau. Tu as le courage de te lever et de crier les mêmes mots au son de liberté. Tu éprouves la langue des sans-abri, la langue des mises à mal. Tu t'appuies sur ton bras de douleur. Ni l'espace, ni le temps se déploient sans écriture. Tu attends certains mots, tels des clés qui libèrent de la barbarie et vibrent comme un instrument. Sans l'anarchie des lectures, il n'est pas d'écrivain. Que son geste, cris et bruit du monde, en révolte, en pagaille,
sur la page de l'histoire. Qu'est cette voix appartenant à une autre langue qui refuse désormais de se taire, qu'elle soit de Tunisie, d'Égypte, de Sibérie, du Yémen, de la Libye ou de Haïti. Merci.